Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un tuto pour une carte. Voilà. Alors on va faire une carte. Alors aujourd'hui j'ai repris la carte 15-15. Voilà, j'ai pris ce modèle là. Donc c'est un bleu. Là on le voit un peu vert. Enfin c'est un bleu vert un peu brillant. Donc c'est les cartes action. Mais aujourd'hui, on va faire le fond de carte avec quelque chose qu'on a dans notre cuisine encore. Voilà, ceci, du papier cuisson. Voilà. En ce moment, il faut bien qu'on utilise les choses qu'on a sous la main, puisqu'on ne peut pas trop commander. Donc, on n'a pas trop de magasins d'ouvert non plus, hein, pour nos loisirs créatifs. Pas du tout. Donc, il faut utiliser ce qu'on a sous la main si on veut s'occuper de nos petites mimines. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, on va faire un fond de carte avec ça, avec du papier cuisson. Pardon, ça y est, ça commence. Donc, je disais donc, une carte 15-15. Voilà. J'ai pris une carte stock comme ceci, marron. J'ai sorti une bleue comme ça, au cas où. J'ai sorti une blanche, au cas où. j'ai sorti ça, le papier stickers doré. Alors, je vous remontre. Voilà, il y avait celui-là dedans aussi. Donc, c'est celui-là que je n'avais pas encore, utilisé. J'ai sorti deux classeur d'embossage, celui-là avec les petits pois et celui avec les cœurs que vous avez déjà vu. J'ai sorti également un dies carré, ce dies là, bon je vais voir, une étiquette ovale, voilà, et cette fois j'espère que je vais m'en servir. Mon Dies Happy Birthday. Voilà. Ma planche à découper. Ma Big Shot. Je crois que là, j'aurai ce qu'il me faut. Non, je vais sortir mes petits carrés 3D au cas où j'aurai besoin. Mon 3D. Et celui-là, il est fini. Alors, attendez, je vais en prendre un autre. Voilà, mon double face, au cas où aussi. Je crois que là, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai aussi ma bombe de colle. Je crois que c'est bon. Allez, on va commencer. Je vous bascule, comme d'habitude. À tout de suite. Bon, aujourd'hui, j'ai sorti que mon petit tapis, qui n'est pas plus propre que le grand. Mais bon, on fera avec. Que le grand commence à être ondulé et ça m'embête. Mais là, c'est vraiment le tout petit modèle. C'est le A4. Il n'y a pas quand je pourrais, quand les magasins iront mieux, il va falloir quand même que je réinvestisse dans un tapis. Donc, en premier, on va s'occuper du papier d'embossage. Alors je voulais faire un carré, donc je vais d'abord couper carrément la page, mes ciseaux. Voilà. Voilà. Bon, ça roule un peu hein, comme papier. Mais... je vais prendre mon classeur d'embossage. Alors, je regarde par rapport au carré si ça va aller. Oui, ça ira. Donc, je vais prendre mon classeur d'embossage avec les cœurs. Je vais mettre dedans.
Et on va mettre, donc je vais vous montrer. Hop, voilà. Je vais prendre une feuille pour faire un peu d'épaisseur. Je vais voir si ça suffit sans feuille. Oui, ça suffit. Hop là. Je récupère ma feuille, je vous remets devant. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc celui-là, je le mets de côté. Normalement, j'en ai plus besoin. Et ici, donc je vais couper un carré. Alors, est-ce que je coupe un carré ou alors est-ce que je coupe à l'arrache, comme on dit ? Où je coupe avec celui-là, je vais voir lequel des deux est plus grand. Non, je vais couper avec celui-là. Donc je change mon classeur. Hop, on remet côté dies. Mais voilà, donc côté dies, ma plaque, mon papier, mon dies. Là, je vais le passer qu'une fois pour pas abîmer le dessin. Et voilà. Voilà, donc ça et ça, je n'ai plus besoin pour le moment. Donc maintenant, donc ça, je vais le mettre sur le côté quelques instants. Ça, on va le découper. Ça, j'ai plus besoin, je m'en suis pas servi. Alors, donc là, c'est du 15-15, hein, donc c'est beaucoup plus facile pour mesurer. Donc 15-15, et ça, ça mesure. Euh, 10 cm à peu près. Donc 15-15, je vais faire 14 sur 14. Je garde mes petites chutes. Donc ça, je vais le coller avec mon double face. Hein. Ah bah voilà, ça c'est celui qui ne va pas. Allez, hop, poubelle. Alors, un double face. Heureusement, j'ai encore du stock. Et c'est pas le premier que je jette, hein, double face d'action. C'est ceux qui n'ont pas de colle dessus. Allez, je vous le remontre. Vous voyez ? Regardez. Voilà, il n'y a pas de colle. C'est comme ça tout du long. C'est pas le premier. Hein.
ça me gave. Alors, mettre dans, sur l'arrière, hein, le côté gaufré, c'est le devant. Ah, celui-là, ça va, il colle. J'espère que ça va chez vous, que vous ennuyez pas trop, que vous trouvez quand même des activités, et puis celles qui travaillent, ben, que ça va, hein, que je souhaite à toutes du bon, je souhaite à tout bon courage, hein, d'aller travailler avec le contexte actuel. Allez, on va coller ça. Donc, on prend bien ses mesures. On se met bien droit. Voilà. Donc, moi, je fais toujours en mode pupitre. Hein. N'inquiétez pas. Je tousse juste pour m'éclaircir la voix. Donc. Ça va venir là, mais avant je vais alors je cherche, je vais déjà découper mon happy birthday pour voir ce que ça donne. Ça, pour l'instant je vais mettre là. Alors, j'ai pas encore essayé hein, ces papiers. Je vais peut-être passer plusieurs fois pour être bien sûr, parce qu'il est quand même un peu épais ce papier. On va voir ce que ça donne. Non, il faut encore le passer, vous voyez, il n'est pas encore coupé à fond. Désolée, hein, je vous fais bouger. Alors, cette fois-ci, toujours pas. Ouais, il est vraiment épais. Hein. Ou alors, c'est le dice qui ne coupe pas assez. Il est tout neuf, le dice, pourtant. Mais bon, c'est un dice action, ça. Bon, tant pis. Non, bah ça, vous voyez, ça me fait de la charpie. Tant pis, on va faire autrement. On ne va pas perdre notre temps. Hein. Du coup, on va faire quoi? On va couper un comme ça en blanc. Donc, bah, le papier stickers, je m'en servirai vraiment pour couper bah, des grandes formes, ou... mais pas des mots. C'est dommage. Dites-moi, vous, si vous en êtes servi et si ça a été, si vous avez trouvé... Ou alors, je vais chercher une solution pour le couper. Donc là, il me faudrait le plus petit, le modèle en dessous, parce que du coup, je ne l'avais pas sorti. Voilà.
Bon, j'ai toujours pas rangé mes dies, hein, vous voyez. Mais bon, ça va être fait. Ma bombe de colle, comme d'habitude. Donc vous pouvez mettre de la colle liquide, hein, blanche. Donc on va attendre que ça sèche. Là pour l'instant ça fait des petites traces, mais c'est parce que c'est pas sec, hein. Et ici. Alors, je voulais faire une chose. Donc, celui-là, on va le coller avec du 3D. On va le mettre ici en 3D aussi. Et maintenant, du coup, je vais quand même mettre une petite déco. Alors, mes cœurs, j'en ai un ici. Ah non, il n'y a pas, il faut que je les range. Hein. Et voilà, je n'ai pas trouvé mon deuxième cœur. J'en ai un là, voilà. Alors, je vais le mettre comment? Alors, on va faire le grand en marron.
Alors, je voudrais faire petit cœur comme ça. Je vais voir si ça marche. En papier de cuisson. Là, je ne vais pas le coller à la bombe, par contre. Là, je vais mettre du 3D comme ça. Alors, du gros, du moyen, je vais mettre du moyen. On va voir si ça marche. Hein. Oh, je sais pas si ça colle dessus. Ça n'a pas l'air de vouloir coller. Mince. Donc, mon idée est peut-être pas bonne. Voilà. Et pour qu'on ne voit pas le petit 3D, ah, celui-là, il s'est décollé. Je voudrais avec sa colle. Voilà. Allez, viens là. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein, voilà. Voilà. Donc là, je vais lui mettre un petit morceau de 3D derrière. Vous voyez, c'est pas encore sec, hein, mais bon, ça va sécher. Voilà. Il y a un petit ça dans la gorge. Et qu'est-ce qu'on ferait bien? Mettre des petites perles. Bon, vous savez que moi, je mets toujours les perles en chiffre impair. Donc là, je vais en mettre 5. Voilà. Et je trouve qu'il me manque quelque chose. Faire un petit cœur. Est-ce que dans mon papier marron j'ai encore de la place là? Non, mais je crois que j'ai un tout petit cœur dans ma boîte à malice. Faut juste que je le trouve. Là j'en ai un, mais j'en ai un autre.
j'en ai un autre. Voilà, j'ai celui-là. S'il rentre dans mon papier. Oui. Voilà, mes petits cœurs. Donc là, ceux-là, on va les mettre en 3D aussi. Donc voilà. Bon, j'aurais pu le faire plus grand, mais bon. Donc, on va faire une deuxième carte. Alors là, j'ai pas préparé, mais ça fait rien. Ça, je vais le mettre là-bas. Hop. Donc, voilà la carte Fête des Mères. Donc, on va en faire une deuxième. Là, je vais prendre une petite. Voilà, j'y suis. Bon, on va continuer avec le même classeur d'embossage. De toute façon, c'est pour vous montrer surtout. Si je le retrouve dans mon patras. Bon, ça, du coup, je mets là. Bon, donc je vais reprendre mon classeur d'embossage avec les cœurs. Alors, si je faisais, et on essayait avec l'encre pour voir ce que ça donne, parce que ça, j'ai pas essayé, donc on va essayer. Allez, on se lance, soyons fous. Non, bien sûr, c'est pas le premier. C'est mes mini distress. Alors, ah, voilà, j'ai un bleu. On va tenter avec de l'encre. Donc, je vais faire de ce côté-là. On va voir ce que ça donne, hein, les filles. Je me lance en direct, là. C'est un papier qui bouge pas mal, alors... ouais, c'est très 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 léger. Là, l'encre ne prend pas beaucoup là-dessus. C'est peut-être mon encre, hein, qui va pas bien là-dessus. Donc l'encre ne prend pas bien sur le papier à le papier de cuisson. Bon, c'est pas un problème. C'est rien. On a essayé. Ça n'abîmera pas ma carte, hein, de toute façon. Donc, là, je vais faire mon fond de carte. Tic,
Alors, mon double face. Mettre du 3D peut-être là. J'ai envie de mettre du 3D. Bon, donc l'encre, à moins que je ferai des essais avec d'autres encres. Là, avec la Distress Ink, ça n'a pas l'air de fonctionner. Bon. Mais c'est pas un problème. Pour savoir si ça marche, il faut essayer de toute façon. Mais là, en encre de couleur, de toute façon, je n'ai que cela pour l'instant. Par la rouge, là, de color, je ne sais plus quoi. Je referai des essais. Je ferai d'abord des essais hors caméra. Et si ça fonctionne, bah, je vous ferai une vidéo. Avec l'encre, voilà. Alors. Alors ça, c'est un ciseau toga. C'est vieux. Je l'ai depuis... depuis le début que je fais du scrap, je crois. Alors... Voilà. Peut-être un tout petit peu de ce côté-là. Bon, si vous avez peur de ne pas couper droit, vous pouvez faire un fin trait avec un petit crayon gris. Voilà. Donc, on va le coller. Alors, j'ai envie d'essayer avec une autre colle pour vous montrer. On va essayer avec laquelle? Peut-être la Cléopâtre en bâton. On va voir ce que ça donne. J'enlève les boulettes. Comme ça, vous verrez si ça fonctionne. Je n'ai pas mis de tapis, je vais salir ma table. Bon, on va faire que ça sèche. Hein. Donc, on va mettre. On verra. Donc
Donc là, de toute façon, il faut que j'attends que ça sèche. Ça va sécher un petit peu à la fois. Alors, j'avais des dailles carrées. Enfin, rectangulaires, plutôt. Non, celui-là est trop grand. Ça, j'ai pas besoin. Ça y est, ça commence à être le boxon, les filles, sur ma table. Voilà ce qui arrive quand on ne range pas au fur et à mesure de son travail. Voilà, et voilà. Du tout. C'est long à sécher, donc bon, la prochaine, j'aime pas cette méthode là au bâton, je préfère ma bombe. Quand on est habitué à quelque chose, c'est vrai que c'est difficile de rechanger. Alors je voulais voir quand même, je suis têtue, mais je voulais revoir avec mon papier là. Quand même couper une étiquette dedans pour voir si l'étiquette se coupe. Et là, ça se coupe. Donc, on va continuer sur la fête des mères. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Si ça rentre. Oui, ça rentre. Voilà. Un 3D derrière. À l'endroit si possible. En espérant que ça colle sur sur le papier doré. Voilà. Bon, ça va sécher, hein. Mais bon, c'est pas encore sec. Et du coup, je vais remettre des petits cœurs. Pas beaucoup. Mais juste des tout petits en stickers. J'espère qu'ils vont bien se couper. Voilà.
Voilà. Bon, attendre que ça sèche. Ou plutôt utiliser la bombe. Ce que je préconise plus, puisque regardez sur l'autre carte, c'est déjà complètement sec. Donc voilà. Bon, là, je verrai comment ça va se goupiller. Je vais mettre les petites perles. Ça, ça n'y échappe pas avec moi, hein, les petites perles. Voilà, trois petits cœurs, s'il y a trois enfants, par exemple. Voilà, donc les deux petites cartes. J'en referai avec du papier comme ça, hein. Là, c'était. J'ai d'autres techniques avec ce papier-là, encore, à vous montrer. Allez. Donc voilà. Bon, là, j'aurais pu le faire un peu plus grand. Vous voyez? Mais bon, ça va. Et donc ici, là, là comme j'ai dit, la colle n'est pas encore sèche. Et du coup, bon, bah, j'ai trouvé quoi faire avec le papier stickers. Mais quand c'est pour faire un mot, c'est compliqué. Donc voilà, je crois que le papier est trop épais pour le faire. Voilà. Bon, j'aurais pu faire mieux, mais bon, j'ai fait ça en vitesse aujourd'hui parce que je voulais vous montrer que ce papier-là, on pouvait aussi l'utiliser avec la Big Shot et puis des classeurs d'embossage. Mais je vous referai d'autres cartes avec ce papier-là, vous voyez. J'ai d'autres techniques encore à faire. Et je vais réessayer avec l'encre. Parce que normalement, ça doit marcher. Mais je pense que c'est l'encre elle-même qui ne tient pas dessus. Donc, je vais réessayer avec mes autres encres. Voir lesquelles qui vont le mieux. Je ferai plusieurs essais. Et je vous referai une vidéo donc avec les encres. Avec celles qui fonctionnent. Voilà. Oh, j'ai toujours une sale tête. Oh. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt, bisous bisous.